gens qui veulent parler de toi, voilà, de toi, soi-disant, je t'ai réagi. C'est donc qu'elle apparaissait dans les résultats. Donc, ça créait du trafic. Or, le trafic n'était pas qualifié. Allez, à la fin, en fait, la page ne présentait aucun intérêt par rapport à l'internet. C'est-à-dire, toi, par exemple, le PMP, vous cherchez un document. Est-ce que le mec, hein, il a bien poussé son équipe? Tu lui as fait, il passe le tour. Et puis, on peut dire, en voyant toutes ces techniques, on va dire, comme tu veux, je te dis que ça fait mal à bas. On est au pingouin ou les HS ou panda. Que lui a passé le yam fait pas en tout cas. Mais quand il y a chaud, et il y a des pages, hein, réellement, il y a des sites. Même de grandes entreprises qui ont été très pénalisées par rapport à ça. La société qui s'occupait justement de l'optimisation de la vie a utilisé ce qu'on appelle les méthodes Black Hat. Les chapeaux noirs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sorcières noires. Il y a les White Hat, il y a les Black Hat. Et donc, aujourd'hui, l'idée principale sur Internet, quelle que soit la plateforme qu'on va utiliser, moteur de recherche, elle est dédiée à chiner la valeur ajoutée qu'on va apporter à l'internaute. C'est quoi l'information qu'on va apporter à l'internaute, l'intérêt en fait de l'internaute avant toute autre chose. Bon, alors n'est pas aussi engénieux que ça. S'il fait ça, c'est parce qu'il a d'autres visions, on va dire, pour l'intérêt. Bien sûr, ça c'est clair. Donc Facebook, j'ai l'impression qu'il est en train de s'aligner sur cette méthodologie là. Exactement. Anna Fazbara. Surtout l'intéressant. Commentaire, t'es sanctionné.